avec Nathalie Bouchex, directrice du SNIMA. Alors le SNIMA, c'est le Centre National et International de Musique et Accordéon. C'est un centre qui est reconnu mondialement pour la qualité des solistes accordéonistes qui sont formés au sein de cet établissement. Et l'école se trouve en plein centre de Saint-Saul. Alors ce soir, vous allez écouter des jeunes qui ont un talent fabuleux. Pourquoi ce soir c'est exceptionnel? Parce que là, on a organisé cette semaine un stage tout à fait particulier. On appelle ça le stage intensif, on en fait un par an. Et c'est un stage qui est difficile à suivre. Il faut vraiment que ceux qui viennent le suivre aient envie de se perfectionner et envie de travailler 9 heures par jour. Vous allez écouter ce soir ce merveilleux instrument qu'est l'accordéon, dans des styles complètement divers et joué par de grands, vous allez vous en rendre compte, de grands artistes. Vous allez entendre un concert prestigieux. Elle vient de Paris, c'est une habituée de nos stages. Elle s'appelle Madeleine Duguay. Malheureusement, à l'occasion, le compositeur avait perdu son meilleur ami et le soir du décès de son ami, il a écrit cette musique qui est assez triste et qui s'appelle Kalina Krasnaya.
Guillaume, qui va vous interpréter une très jolie pièce d'André Astier, Pauvre nomade. J'ai le plaisir de vous présenter Ahmès Tays, 19 ans. Une pièce, disons, d'avant-garde de Petri Makkonen, un compositeur finlandais. The Flight Beyond the Time. Thank you.
Exceptionnelle. Elle a choisi de vous présenter une des pièces les plus connues, hein, la célèbre musique de Michel Legrand sur les parapluies de Cherbourg. J'ai le plaisir de vous présenter Atanasoï Maria. Thank you.
choisi la grosse difficulté, il va jouer du Jean-Sébastien Bach, ce qu'il y a de plus difficile à jouer sur l'accordéon, un prélude des figues en si mineur. J'ai le plaisir de vous présenter Novas Maxime. Merveilleux, joué par une petite fille de 14 ans, Madeleine Duguay.
Tu es le plus fort du monde. Alors je jouais perle de cristal, mais je ne jouais pas si bien. Je lui fais de confidence. Je ne devais pas lui dire. Oh. Mais c'était comme ça. C'est une prestation remarquable. C'était phénoménal. Bravo. On n'hésite pas à dire que c'est un génie de l'accordéon, un génie de la musique. Il est japonais. Il vient tout droit de Tokyo. Il vient prendre ses cours pendant un mois l'été. Il vient pendant les vacances de février, passer 15 jours, 3 semaines. Et le reste du temps, on travaille avec lui par Skype. Il vient de remporter tour à tour les deux plus grands concours mondiaux à Castelfidardo en Italie et à Klingenthal. Là, c'est vraiment le concours le plus célèbre au monde, dans sa catégorie d'âge, évidemment, moins de 15 ans, classique. J'ai le plaisir de vous présenter le tout jeune Futa Mizutani. Vous allez écouter la fameuse danse hongroise numéro 5 de Florence, mais arrangée spécialement pour les virtuoses par un soviétique qui s'appelle Yaskevich.
Une pièce que son professeur Franck Angelis, un grand compositeur, a écrit pour elle à l'occasion de son anniversaire, la fameuse romance numéro 2.
Alors maintenant, je vais vous présenter un jeune homme qui fait des études de haut niveau sur le plan classique au Conservatoire de Strasbourg et qui, pendant ce stage, a voulu goûter à un style un peu particulier, le jazz. Il a mis 2 jours pour travailler cette pièce. En 2 jours, il est parti à zéro. C'est une très belle pièce de Richard Galliano qui s'appelle Spleen. Thank you.
assister à la naissance d'une future vocation. Je vous garantis que ce jeune homme va faire parler de lui dans les années futures. C'est un jeune Italien, alors comme à tous les Italiens, il a de la vie, il a de l'or dans les doigts. Il s'appelle Emanuela. Emmanuel vient de remporter tour à tour les deux plus grands concours du monde, notamment le fameux concours de Klingenthal en senior variété. Il a une vélocité des doigts exceptionnelle. Il va vous interpréter une des pièces reconnues comme la pièce la plus difficile à jouer techniquement du côté main droite. C'est la fameuse polka italienne de Rachmaninoff, mais arrangé de façon virtuose, toujours par ce magnifique arrangeur qu'est Yaskevich. Un arrangement qu'il a fait avec son professeur. Son professeur, c'est un ancien étudiant. Il est resté pendant 3 ans comme étudiant à Slima. Et c'est un grand professeur en Italie. Il s'appelle Gianluca Pic Solenza. Et musical, hein? Pas avec des envolées.
Thank you.
Parce qu'on a des musiciens exceptionnels qui participent à ce stage et ils nous ont encore une fois régalés. Et je crois qu'on peut encore une fois les applaudir très très fort parce qu'ils le méritent vraiment. On est très fiers du travail qu'ils ont réalisé.